Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le troisième dimanche de Pâques de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, pour sortir les apôtres de la peur et de l'enfermement, à plusieurs reprises, Jésus ressuscité apparaît à ses amis, mais ils ont du mal à le reconnaître. En effet, nous dit l'Écriture, frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Pour les aider à dépasser leur peur, Jésus appelle sur les disciples la paix. Ils se laissent toucher et mangent avec eux. Mais ce n'est pas si facile de croire à la victoire de la mort après avoir vécu les événements de la Passion, après avoir constaté l'échec apparent de la croix. Saint Luc nous dit en effet, dans leur joie, ils n'osaient pas y croire encore et restaient saisis d'étonnement. Alors, Jésus leur dit, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Chers frères et sœurs, avec les onze, le Seigneur nous invite à faire l'expérience du ressuscité afin de témoigner de lui, comme le dit saint Jean dans sa première épître. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tourné vers le Père, qui nous est apparu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Chers frères et sœurs, notre foi s'appuie sur celle de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché et qui ont mangé et bu avec lui, après sa résurrection. Notre foi s'appuie sur la foi des apôtres, car Jésus ne leur demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais avant tout de la constater et de se laisser interpeller par des signes. C'est le chemin de foi qui nous est proposé ce dimanche. Frères et sœurs, notre foi repose sur la vérité qu'annonce saint Pierre et que nous devons nous-mêmes annoncer par toute notre vie. Hommes d'Israël, vous avez renié le saint et le juste,
et vous avez demandé que l'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. L'attitude de Pierre, chers frères et sœurs, nous montre qu'il y a des vérités, qu'il y a des moments où dire la vérité, même si cela est terrible, mais lorsque c'est nécessaire, nous devons dire la vérité. On peut cacher, hésiter, tergiverser, calculer des discours moins risqués, se donner des vérités qui arrangent. Mais cela ne marche pas avec la résurrection du Christ, avec notre foi. Nous avons tous malheureusement tendance à différer de telles mises au point, qui sont, c'est vrai, éprouvantes. Nous avons peur de telles opérations de vérité où enfin on peut nommer les choses, appeler le mal, appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Frères et sœurs, notre monde en a besoin. Nos familles en ont besoin. Nos communautés paroissiales en ont besoin. Notre pays a besoin de cette vérité. Car à force d'éviter la vérité, frères et sœurs, le sel perd sa saveur. Le témoignage disparaît devant une fausse paix sociale ou familiale. Mais cette paix est trompeuse. Elle peut cacher des événements plus terribles encore. Frères et sœurs, à la suite des apôtres, pour vivre notre conversion et notre témoignage, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous. Dans toutes les situations de notre vie, nous sommes invités à le toucher à travers son corps eucharistique. Car ce même corps de Jésus ressuscité se rend réellement présent parmi nous à chaque célébration eucharistique. Il est là présent au milieu de nous ce dimanche et il nous donne de le reconnaître et de le recevoir. Lui-même nous y invite, frères et sœurs, touchez mes mains et mes pieds, puis prenez et mangez en tous, regardez, c'est bien moi. En recevant, frères et sœurs, le corps de Jésus, nous recevons le germe de notre propre résurrection. Lui qui dès aujourd'hui enlève notre péché et veut transformer notre vie. Dès lors, frères et sœurs, affermis dans la même foi que les apôtres, nous pourrons devenir véritablement, pour notre pays, pour nos familles, pour notre communauté paroissiale et pour l'Église tout entière, les témoins du Christ, et ainsi continuer la transmission de la foi né en ce matin de Pâques. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Thank you.